Bonjour à tous et à toutes, ici Akuro. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve dans cette vidéo où on va visiter un fast-food dans Minecraft. Donc ça s'appelle Saint-Hubert, c'est un fast-food canadien, voilà, ils servent du poulet. Voilà, donc c'est une rôtisserie, voilà. Donc on va faire un petit fly-around, voilà, regardez ça, il est situé ici, voilà, à côté de l'autoroute, donc c'est très pratique. Regardez ça, le nouveau pont que j'ai fait, moi j'adore, je trouve ça trop génial, voilà. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, c'est le restaurant, voilà. Donc ici on a des stationnements, voilà. On peut y entrer par là ou par là-bas. Je voulais faire un... Un drive, voilà, un service à l'auto. Mais en fait, il n'y avait pas assez de place pour passer et tout. Donc c'est pour ça que j'en ai pas fait. Des parkings à l'arrière, il y a aussi une entrée là que vous pouvez aller, voilà. Et ici, il y a genre l'espèce de ventilation, voilà. Sinon, pour le logo, regardez ça, j'ai direct importé le logo avec mon texture pack parce que ça faisait plus beau. Et c'était moins compliqué que poser, j'ai essayé de faire le logo là. C'était plus beau que 4 cubes comme ça ou un truc genre... Un truc comme ça, voilà. Ça, mettons que ça, c'est ça représentait plus le truc. Pareil pour ça ici, donc l'enseigne lumineuse. C'est de la glowstone qu'il y a derrière, donc c'est lumineux la nuit, ça c'est vraiment génial, j'adore, voilà. Donc on va passer à l'intérieur, voilà. Il n'y a pas grand chose à... ça va pas être long à visiter, voilà. C'est vraiment très... Oh putain, ça fait chier ça. En fait, ça c'est surtout quand j'importe ma map dans celle-ci, en fait. Ça fait ça, voilà, ça fait des petits bugs de porte, mais là c'est pas grave, ça passe, voilà, donc c'est nickel. Donc on avait vraiment beaucoup de tables, donc si on a des tables, voilà, regardez ça ici, là, ça c'est comme en fait une petite salle, voilà. Par exemple, vous venez avec vos amis, vous pouvez manger, vous avez quand même une belle vue, voilà. Ben, c'est pas haut, voilà, c'est premier étage quoi, mais voilà, quand même une belle vue, voilà. Des tables ici j'ai mis un mur d'eau, je trouve vraiment que ça fait très sympa parce qu'en fait je savais pas quoi mettre, voilà. J'avais essayé d'en mettre un pour le McDo, mais le McDo ça fitait pas vraiment. Donc là, présentement, ce mur d'eau ça fait vraiment très beau. En plus, avec la réflexion comme ça, moi j'adore. C'est ça, quand tu te mets comme ça là, c'est beau. Voilà. Ici, il y a d'autres tables, voilà, comme ça. Ici, il y a une porte qui donne sur l'extérieur dans le côté. Donc ça, c'est. Oh putain, ça fait chier ça. Je vais replacer ça comme ça. Je crois que c'est bon. Voilà, c'est parfait. Donc c'est ça, voilà, c'est une petite porte qui donne dans le côté du restaurant, voilà. Donc vous pouvez y accéder par là. Voilà, et ici c'est le truc que vous commandez. Donc ça ici c'est génial, regardez ça, les petites étagères comme ça, voilà. Donc là on va passer à l'intérieur de la cuisine. Bordel, il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière ici, hein, mais c'est pas grave, voilà. Donc en fait vous commandez, c'est un Saint-Hubert Express, hein, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser. Express, que ça change, c'est que c'est comme McDo. En fait, c'est que vous allez direct au comptoir et vous prenez votre bouffe ici, vous retournez. Tandis qu'un normal, en fait, vous assisez à votre table et vous attendez le serveur et tout avec un menu comme un vrai resto, voilà quoi. Donc là ici, voilà, ils prennent vos commandes, ensuite ils les donnent aux cuisiniers qui, les cuisiniers vous les donnent et vont les passer, voilà. Donc c'est ici, c'est la cuisine avec des petits trucs de céramique. Peut-être j'aurais pu mettre ça. Ah ouais, putain, ça rend beaucoup mieux comme ça en fait. Ouais, ça fait moderne en plus avec la céramique, j'aime bien. Voilà. Ici c'était censé être le McDrive, je l'ai condamné en fait. Voilà, il était supposé avoir un truc ici. Bordel, il pleut dehors, d'accord. Je l'ai condamné, voilà, parce qu'il n'y avait pas assez de place et voilà. C'était chiant, voilà. Donc je vois, en fait, je vais le condamner jusqu'ici. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre un mur de briques ici comme ça. Et là, bim, on n'en parle plus. Voilà, il n'y a plus de McDrive. Voilà, il n'y a plus de chicane et tout. Voilà. Donc les amis, c'est déjà la fin de cette visite de Saint-Hubert. Là, je vais enlever la pluie parce que je sais qu'il mouille à cause que j'ai cassé un bloc. Voilà. Slash, ouais. De la merde. Water, clear, voilà. Donc les amis, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire, voilà. Allez, me follow sur Twitter. Et sur ce, les amis, on se revoit dans la prochaine vidéo. Donc, à plus.